Bonjour à tout le monde, nous voici pour l'épisode numéro 2 de la saison 4 de Modus. Modus is back. Bon, le titre j'avais mis... Oh là, encore un creeper. Coucou creeper, coucou. Oups. Voilà. Alors, donc là on est en train de produire notre pierre. C'est vraiment le truc de fortune, la production de pierre de fortune. Je pense pas que ce soit ici qu'on va se faire notre labo principal. Quand j'ai regardé la vidéo plusieurs fois, évidemment, quand j'ai fait le montage, etc., j'ai repéré qu'il y avait... Alors, on a deux solutions. Ah, il y a un squelette. Deux solutions. Soit je vais me refaire mon truc dans le volcan. J'ai vu qu'il y avait un volcan. Mais bon, c'était près des titans, donc je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Sinon, j'essaie de me faire les trucs au fond de la mine à un moment donné, mais on risque de pas avoir beaucoup de soleil. Voilà, je suis encore en train de me poser des questions. Ce que je vais me faire, par contre, c'est qu'on va essayer de, se faire un épisode un peu action. Du coup, on va se faire une armure. Et voilà, on reste avec ma tête de savant fou moderne. On a une épée. On va tester ça. Voilà, et donc là on est paré à aller se visiter la caverne avec les araignées bleues apparemment qui sont super dures à tuer et tout ça, tout ça. Donc on va se poser des choses quand même pour pas... Tac, c'est parti. On va prendre encore un peu de nourriture. Voilà, on s'est fait des torches. Bon, bon, on va faire une petite exploration de caverne. Tout le monde me dit que c'est dur. Voilà, donc aujourd'hui, un épisode un petit peu action. C'est parti. Bon, c'est un petit peu action, un petit peu minage aussi. Hein. Déjà, on va regarder ce qu'il y a là. Parce que... Le squelette il est mort. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, c'est énorme ce système de caverne. Ok, donc là ça donne sur dehors. Ok, donc on va éviter d'aller par là. Non, du coup de... Et là on retourne sur la mine abandonnée. Du coup on va pouvoir visiter par là. Bon alors je sais, j'ai pas encore placé de lit, d'accord, je le sais, c'est juste que... De toute façon je suis pas très loin du point de spawn de départ, donc je pense que je peux retrouver la maison assez facilement. Alors, on a un bout de caverne ici, un bout de caverne là. Voilà. J'ai essayé de miner les trucs quand même parce que... Ah,
Bon. On y va. Allez, on prend des risques. Hop. Ah, des gemmes, super. C'est sympa les galeries abandonnées quand même. Ça, je récupère parce que j'ai besoin de beaucoup de ficelles. Après, je vais me faire des parachutes, etc. Et puis, c'est la ficelle facile, ça. Donc là, pour l'instant, on m'a dit faire attention au bruit d'araignée. Pour l'instant, pas de bruit d'araignée. Donc, tout va bien. Des galeries. Donc là, je suis déjà venu ici. Par ici, on va devoir éclairer un peu. Ah, là, il y a un truc. Il y a un spawner. Un spawner de quoi? De squelettes, vous pensez? On y va, hop. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces squelettes? Alors, on y va. Voilà. Un donjon. Allez, plus vite que l'éclair. Hop. Et voilà. Tadam! Un donjon. Qu'est-ce que je récupère? Nul. Nul. Une selle. Ouais. Ah, nul. Vraiment nul à chier, quoi. Pardon, excusez-moi pour les gros mots. Mais bon, j'ai un spawner. J'ai un spawner. Du coup, on va se mettre des torches ici. On va se mettre une planquette de torches pour se dire qu'il y a un truc sympa par ici. Comme ça, on reviendra. Spawner, c'est toujours utile pour se faire une machine à générer des os. Et puis des os, des flèches, etc. On avait déjà utilisé dans je sais plus quelle saison. C'était dans la saison quoi? Dans la saison 2? Ouais, c'est ça, dans la saison 2 on avait utilisé un spawner de squelette déjà. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors, des gemmes, ça c'est bien. Voilà. Bon, ça n'est pas trop d'action. Ouais, c'est énorme ces galeries. C'est vraiment des. Voilà, encore un squelette là-bas. Bon, on va aller voir le coffre. Ah, des graines de melon. Oh, de l'or, ça c'est bien. Et du métal. Ok. C'est quoi un squid? Qu'est-ce qu'un squid fait là? Ah, là il y a de la lave. Là-bas il y a de la lave. C'est énorme ce système de galerie là. On essaie de descendre pour voir. Je sais pas si je vais essayer de retrouver mon chemin. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous voyez là? Le petit machin summon. Là, je viens de rentrer dans le champ d'action d'un titan. Et il vient de me griller. Alors, je me suis rendu compte que dans la partie précédente, dans le mode Dreams, les titans, ils ne devaient pas marcher. Alors, je sais pas si ça compte de zombie awareness. Vous voyez, il me fait prendre feu, en fait. Là, il y a un titan qui met le feu. On va s'éloigner. Même qu'il éteigne le feu. Voilà, le feu s'éteint. Je suis pas mort. J'attends que ma vie remonte. J'ai entendu un bruit d'araignée. Qui m'a dit que le bruit d'araignée fallait pas? J'entends un bruit d'araignée. Je sais pas d'où ça vient, mais j'entends un bruit d'araignée. Ah là là. On récupère ça. Ah, là en dessous. Ah, il y a des araignées là en dessous. Là là. Mais quoi, il y a des zombies. Thank you.
Regardez ça. Ah ouais, tu joues pas. Encore un. Alors, il est ouf. Ok. Oui, les bruits qui font peur, évidemment. Là. Et jouer bleu, je sais plus c'est lequel. Et je les prends. Là aussi. C'est plaisir de trouver des pierres précieuses quand même. Je sais pas si c'est les araignées, mais ça ne doit pas être très loin. Ça. Du bruit par ici. Ok, donc là ça sent l'araignée, regardez. Et le nombre de toiles d'araignée qu'il y a là-bas. Bon, bon, bon. Allez, on prend notre courage à deux mains et on y va. Ah oui, on voit les derniers là. Voilà, voilà, c'est, je suis empoisonné. Ah vache, elle m'a empoisonné. Elle est où cette satanée araignée? Elle est là-dessus. Je l'ai eu. Je l'ai eu, mais elle m'a touché. Ok, ça y est, j'ai entouré de torches. Alors, maintenant il faut s'occuper des araignées qui sont déjà sorties. Il y a un couloir d'araignées là, c'est incroyable. Donc là c'est bon, il n'y en a plus. Vous voyez le couloir d'araignées qu'il y a là? Enfin le couloir de toile d'araignées qu'il y a là. Vous avez vu? C'est incroyable. Ça va super loin. J'ai de la ficelle remarquée d'un autre côté. Ça me donne de la ficelle, mais... Bon, je vais pas pouvoir tout visiter, là. C'est trop grand. Donc là, ok. On va remonter. Hein. On voulait de la ficelle, on a trouvé beaucoup de ficelles, on a trouvé des diamants, du fer. C'est déjà pas mal.
Maintenant, on va essayer de voir comment on fait pour remonter. On peut se perdre dans ces cavernes. Quand je dis on peut se perdre, je pense qu'on s'est perdu. On a été empoisonné. On va essayer de retrouver le chemin. Alors, c'est là qu'il faut avoir. Alors, attendez. Je vais me repérer. Je suis doué pour me repérer, même sans poser de torche, toujours du même côté. Blablabla. Je viens de là-bas. Sens inné de l'orientation. Voilà. Oups. L'orientation, oui. Mais le reste, non. Alors. Voilà. C'était par ici. Alors. Ah! Ouh, j'ai failli mourir. J'entends plus de bruit d'araignée. C'est là que je t'ai passé tout à l'heure. Il y avait eu un zombie. Alors. Il semble être venu par là. Ouais, je t'ai passé par là. Il faut que je remonte, donc pas de secret. Maintenant, remonter, c'est une montée. Bon, je vais pas de là, j'ai plutôt de par là, je pense. Un peu sombre par ici. Voilà, c'est une attaque dessus. Des torches. Voilà. Allez, je me refais des torches parce que. Voilà, les Endermen. Les Endermen ici. Un Enderman. Non, mais non. Attendez. J'ai dit que je rentrais parce que j'ai déjà fait cette chose. Donc c'est pas par là ni par là, donc c'est-à-dire que c'est pas par ici que je vais remonter. Là-bas il y a plein de. Il n'y a pas de lumière. Donc ça va être vrai que ce soit par là aussi. Mais là-bas, écoutez, il y a de la lumière là-bas. Voilà. Waouh! Ah ouais, regardez. Oula. C'est quoi ça? J'ai encore un titan là, sous mes pieds ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me fais tirer dessus par quelque chose, je sais pas quoi. Ah, c'est une énorme crevasse. Oh la vache. Voyez ça? Ah ouais. Génial. Ah génial, 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 génial. Génial, mais. Mais. Ah ouais, c'est top ça. Il y a de l'eau, il y a de la lave. Mais je me fais taper dessus par quelque chose, je sais pas quoi, ça commence à m'énerver. Ah là 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 là. Bon, on va essayer de descendre. Allez, on y va. On essaie de descendre sans se faire taper dessus. Toute façon, le truc que j'avais fait au début, c'était un labo de mioche, c'était vraiment pour commencer.
Comment il va me taper dessus là? Je suis caché. Faut arrêter les pouvoirs magiques là, hein. Oh. Je vais manquer de bois, mais bon, je vais sûrement trouver un moyen de faire du bois. Allez, on y va, redescend. Bon, là, j'ai un petit trou. Son orientation est correcte, la crevasse, elle est par là. Ouais, encore des diamants. Enfin, encore des rubis, ça, ça. C'est lui, c'est encore le titan. Faut qu'il arrête, là. Oh! T'arrêtes, oui? Tu me vois pas, là. Comment tu fais pour me taper dessus? Il arrête de me tirer dessus, oui. Pas que je m'approche par là-bas, en fait. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qui me tire dessus? Oh! Oh bah non! Bah ça va pas ça. Mode titan là, mais ok, mais faut pas exagérer non plus. Ah non, vous en allez, hein. Ah non, allez. Il est où? Il est où mon labo? Waouh. C'est le jour là. Allez, dégage. Voilà. Allez, on est reparti, on prend une épée, et on y retourne. Comment je vais essayer de retrouver mon chemin? Toi, tu me l'as. Ok. On trouve le chemin. Moi j'ai passé vite pour trouver mon chemin quand même. Après j'ai trouvé mon chemin mais j'ai pas trouvé mon stuff. Il est où mon stuff? Il est où mon stuff? Il est où mon stuff? Tout ce que j'avais trouvé là. C'est où? Ah bah non! Eh bah non! Eh! J'ai pas mis longtemps pour revenir là! Bah non! Oh là là! Oh la loose! La loose la plus complète, quoi. Ah, les titans. Ah oh, non, les titans, c'est pas possible, quoi. Bon, bah voilà. Donc, c'était... comment mourir face à un titan Ah, ça recommence. Ok, comment mourir face à un titan qui vous voit pas, quand vous êtes planqué au milieu de la terre, le titan il est vraiment trop fort. D'un autre côté, c'est un dieu, hein, ok. C'est un demi-dieu. Est-ce que j'ai perdu beaucoup de choses ou pas? J'avais quand même sauvé mes. Bon, j'ai toujours ma pierre de philosophe, hein.
Bon, bah voilà, écoutez, c'est une partie pour rien, où on a juste vu que les titans, ils pouvaient me démolir la tête. Donc je vais pas trop m'en approcher pour l'instant, on attendra d'avoir d'être armé suffisamment, parce que vous avez vu, ils me dégomment mais de loin sans rien faire, quoi. J'ai faussement cru avec les parties d'avant que ça allait être facile, enfin que les titans c'était des dégâts faciles, comme j'en ai buté un qui avait la tête coincée dans l'arbre là, puis les autres je me promenais à côté de leur repère et il se passait rien. Bah maintenant les titans c'est fini de rigoler, hein. Ils me bazardent, ils me tapent dessus mais de loin. Sans me voir, même si je suis caché au fond de la terre, ils me tapent dessus, donc ça doit être une histoire de distance en XY et pas distance en absolu. Du coup, on va voir ce qu'on fait pour l'épisode 3. Mais l'épisode 2, je sais pas comment je vais l'appeler, parce que regardez, je suis parti, j'avais ça, et je reviens, mais j'ai ça. J'ai sûrement même perdu des trucs, je me souviens plus ce que j'avais. Mon stuff a disparu. Alors je sais pas s'il a brûlé, peut-être que quand il m'a tué avec une boule de feu, là, je sais pas trop, j'ai perdu mon stuff dans les flammes. Dans tous les cas, j'ai tout perdu. Mais du coup, je réfléchis à une nouvelle stratégie pour l'épisode 3. Et je vous retrouve plus tard. Ciao!